Bonjour. Bonjour. Bonjour, la reine Justine. Je vais rapidement vous parler des habitudes financières que vous devez avoir. Et j'espère que vous avez bien dormi. Beaucoup d'entre vous vous avez des comptes d'épargne. Quand vous regardez l'argent que vous avez économisé, vous êtes content. Et vous ne vous rendez pas compte en fait que vous ne vivez que pour vous. Votre vision n'est pas élargie. Donc, avec cette vidéo, je veux briser votre mindset. Parce que le mindset de pauvreté, c'est quelque chose que vous avez hérité de vos parents. 99,9% d'entre nous, toutes les personnes qui me regardent, vous n'avez pas des parents millionnaires en euros. Donc, vous êtes en train de, premièrement, changer votre mentalité. Deuxièmement, changer vos habitudes pour changer votre futur et influencer le futur de vos enfants. Donc, vous devez comprendre que la richesse financière viendra avec les quelques principes que je vais partager avec vous. Donc, nous avons relancé les ateliers hebdomadaires. Pendant ces ateliers, vous allez apprendre à vous discipliner, vous allez apprendre à vous organiser et vous allez apprendre aussi à penser correctement. Parce que votre problème, ce n'est pas le manque d'argent. Votre problème, ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas. Mais votre problème, c'est que vous ne savez pas comment utiliser ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Donc, règle numéro 1. Vous devez sortir de la mentalité d'économie. Arrêtez de vouloir économiser. Certains d'entre vous, ça fait 5 ans que tu as 10 000 euros dans le compte. Est-ce que tu sais qu'en investissant les 10 000 euros là, en un mois, tu aurais pu avoir au moins 1 000 euros? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Et ces 10 000 euros, tu as déposé à la banque. La banque ne te paye pas d'intérêt là-dessus. Quand on te parle de trading, tu te dis que tu as déjà 45 ans, tu vas apprendre le trading, pourquoi? Si tu n'as pas l'esprit ouvert, tu vas rester. Ce n'est pas que tu es pauvre, hein. Mais si tu fais 3 mois à la maison, tu ne travailles pas. Tes 10 000 euros là vont finir. Vous devez commencer à réfléchir plus grand. L'argent n'est pas fait pour rester en banque, en bas de ton oreiller, en bas de ton lit. Certains d'entre vous, quand vous bouffez la tontine, est-ce que vous avez un projet ou un plan pour cette tontine? Saving account oublié. Arrêtez d'économiser de l'argent. Ah oui, j'économise pour acheter mon kit. J'économise. Écoute, on t'a mal enseigné. Merci, Beauty. On t'a mal enseigné. Une dame m'a payé par PayPal l'autre jour. Elle a payé peut-être 285 euros pour ses produits. Et elle a choisi l'option de payer en plusieurs fois avec PayPal. Chaque mois, je crois qu'elle donne 85 euros comme ça. Donc, ça fait 2 ou 3 mois qu'elle est en train de payer. Même les options où ils vous disent que paye en petit, je ne sais pas. Vous devez sortir du mindset. Les 300 euros là que tu as pris pour aller payer tel produit, imagine ça te prend 3 mois pour payer 300 euros de produit. Avec les... En tout cas, 300 euros, moi je me l'ai fait en combien d'heures? Si vous ne vous lancez pas, vous ne sortez pas du mindset. Tu dois avoir ton petit boulot. Chaque mois, tu mets 300 euros de côté. Vous allez continuer à tourner.
qu'est-ce que je peux faire pour me faire 3000 euros la semaine? Au lieu de faire 2000 euros le mois. Pour cela, ça demande d'investir. Ton argent ne reste pas en banque comme économie. Parce que la banque te paie 0,05% d'intérêt par an. La banque se fait environ 8% de bénéfices par mois sur ton argent. Donc, comme tu as 10 000 euros, tu as mis en banque, ils prennent, c'est pas t'investir sur les marchés, en ligne. Comme si tu n'as pas voulu faire les cours de trading là. J'avais lancé les cours de trading en novembre. Vous m'avez regardé, vous avez dit En tout cas, ceux qui étaient intéressés, ils ont fait leur cours. Le monde est en train d'évoluer. L'autre jour à Douala, hier, quand je partais, je passais comme ça dans la ville de Douala, j'ai vu une grande affiche de Binance. Et ceux qui ne savent même pas ce que Binance est, vous devez apprendre. Et cette affiche disait, l'argent évolue. Shani Jordan, si tu t'es abonné chez moi, tu as les problèmes. Désabonne-toi, tes problèmes vont partir. Tu as compris, Shani? Voilà. Si tu penses que ce que tu dis t'apporte des problèmes, quitte ma page, pardon. Oyoa. Voilà. Si c'est clair, si le volume est bon, je peux continuer ce qu'il disait. L'affiche disait, l'argent est en train d'évoluer. À une époque, on payait avec les bœufs. On faisait le troc. Après, ils ont eu la colonisation, ils sont venus avec le papier. Le papier qu'eux-mêmes ils fabriquaient. Prends le franc CFA, tu prends le dollar ou l'euro, tu compares. Tu déchires le franc CFA, que clic, ça se déchire. Prends l'euro, tu regardes, tu vois que c'est comme un papier qui ne peut pas s'abîmer ni se déchirer. Si l'euro se déchire, c'est que c'est volontaire. Quelqu'un a pris la déchirer volontairement. Ça va vous dire quelque chose. Vous devez avoir, règle numéro 2, donc un, j'ai dit arrêtez d'économiser, compte d'épargne, arrêtez ça. Règle numéro 2, cherchez dans quoi investir. Vous savez que mes discours, ce n'est pas, si j'ai raconté l'histoire d'un homme qui a tué sa femme, ou j'ai raconté l'histoire d'un gars qui est parti tromper, oui, c'est que vous serez ici beaucoup. Je suis les paroles pour les choisir. Vous devez investir. Tu ne dois pas avoir une, deux, trois, quatre, cinq. Tu dois avoir même 10 sources de revenus. Tu te lèves aujourd'hui et dans tes sources de revenus, tu vas avoir les différents niveaux. Ce qui te donne l'argent une fois par semaine. Ce qui te donne l'argent une fois par mois. Ce que tu vas investir comme ça, c'est même après 5 ans. Que ça va te donner l'argent. Tu peux acheter le terrain aujourd'hui, tu oublies l'argent là. Dans 7 ans, tu revends le terrain là. Tu as acheté le terrain à 7 millions, tu le revends dans 7 ans à 40 millions. Va déposer ton argent en banque, tu me dis ça va te produire ça. Vous ne réfléchissez pas. Si tu es parti acheter le terrain, c'était dans le contentieux, achète l'autre. Donc l'argent que tu avais produit pour le terrain, c'est ton seul argent de toute ta vie. Vous connaissez pleurer l'argent perdu. Oh, ça fait 5 ans, il m'a pris 5 millions. Donc en 5 ans, tu n'as pas pu reproduire 5 millions. Car les 5 millions là, c'était l'erreur. C'est parti parce que ça s'était trompé dans toi. Les 5 millions là, c'était trompé de poche. C'est pour ça que c'est reparti. Si en 5 ans, tu n'as pas pu reproduire 5 millions là chaque mois ou bien tous les 2-3 mois, là, tu sais quoi? Va t'asseoir au village. Vous devez avoir des investissements à long terme. Et vous devez aussi aller acheter des parts de marché dans les entreprises. Est-ce que vous savez qu'il y a les pays européens où tu restes au Cameroun avec ton passeport camerounais? Tu ouvres le compte dans le pays là. Vous savez. À distance.
Allez en ligne, vous écrivez Open a bank account online. Binance là. C'est seulement parce qu'ils bloquent un peu les gens qui sont en Afrique. Dans le sens où ton argent tourne dedans. Maintenant, quand il faut sortir l'argent, ça c'est une autre dimension. Mais quand tu commences déjà à investir ton argent dedans, d'ici 1-2 ans, tu seras en train de bâtir en Europe et rentrer. Donc tu n'as même pas de soucis par rapport à ça. Tu vas là-bas, tu crées un autre compte là-bas, tu transfères l'argent dedans, tu retires. Vous devez acheter les parts de Facebook. Achetez les parts dans l'entreprise de Facebook aussi. Achetez. Achetez. Il n'est même que 6h30, c'est ce que je vois. Maman, je suis belle à 6h30, c'est grave. C'est vrai. Vous devez savoir regarder autour de vous. Au lieu d'aller dépenser, cherche à investir. Même physiquement au Cameroun, tu peux aller dans une entreprise, tu dis que tu vas investir. Tu peux aller dans les microfinances ou acheter des parts. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous devez avoir... Il y a plusieurs du niveau d'argent. L'argent qui va te donner le carburant chaque jour, c'est-à-dire, ça rentre tous les jours. Donc, ton business la produit tous les jours. Généralement, c'est comme les restaurants. Alors, si tu fais une semaine, tu n'as pas vendu dans le restaurant, ferme ton restaurant. Tu peux avoir des trucs comme les meublés. Tu peux avoir ton immeuble, les gens te paient le loyer chaque mois. Tu peux même voir un jeune là qui est bien discipliné. Tu as peut-être 2-3 employés, pas les petits frères. N'investis pas sur mes petits frères. Allez faire votre part d'argent. Tu peux voir un petit qui est tellement discipliné. Tu portes même 500 000. Tu lui ouvres son petit bistrot là, un petit truc à côté. Ce qui est bien quand tu investis dans quelque chose comme ça, c'est que... Bonjour la reine Denise. Premièrement, tu vas coacher l'enfant. Tu vas le diriger. Et tu lui dis maintenant que l'argent que tu vas gagner là, si chaque semaine tu as 200 000 de bénéfices, comme moi j'ai investi mes 500 000, sur les 200 000 là, moi j'ai 100 000, tu as 100 000, parce que c'est toi qui es là-bas. Et je propose qu'au début vous ne donnez même pas trop d'argent, parce que ça va le rendre fou. Donc tu peux investir sur un truc qui va donner peut-être 150 000 la semaine. Tu dis que chaque semaine sur 150 000, il prend 50 000. Et pour pousser encore un peu plus loin, tu lui dis que sur les 50 000 là, tu ouvres son compte, lui même pas ouvrir le compte d'épargne. Il commence à mettre l'argent dedans. Au bout de 6 mois, l'argent que lui il a économisé, tu mets encore ta part sur ça. Il devient maintenant ton associé. Et quand quelqu'un a son argent qu'il a mis dans un business, il met le cœur sur ça. Il met le cœur. Parce qu'il sait que si on ne vend pas, ma poche ne va pas se remplir. Votre problème, la faute que vous avez commis quand vous êtes en Europe, vous envoyez l'argent au pays, c'est que quelqu'un reste comme ça du jour au lendemain, il se retrouve dans une entreprise de 10 millions de francs CFA à gérer. Et il n'a même pas 100 000 qu'il a mis dedans. Voilà les erreurs que vous commettez. Moi, je vous donne les bons tolis. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de devenir millionnaires en France CFA avec ce que je dis. Chaque jour, vous m'écrivez, vous me montrez, vous me dites ce qui se passe dans votre vie. Et quand vous m'écrivez, vous dites que ce n'est que le début. Donc, on n'investit pas avec sa famille. Créer les business, si bien que vous savez que si la personne a mis son argent dans mon business, la personne a intérêt à ce qu'on vende. Je ne vais pas réveiller la personne à 7 heures que lève-toi, tu ne peux pas vendre. Non. Il y a sa part d'intérêt dedans. Troisième règle. Ceux qui veulent vraiment, vraiment réussir là, vous devez vous former. Écoutez bien. Formez-vous. J'ai une de mes filles qui a fait les cours de trading. Elle a pris des cours de trading en novembre quand j'ai proposé. Pour ceux qui sont encore intéressés, le formateur fait ça. Il fait encore les cours à distance. Cette dame est aux, elle est aux États-Unis. C'est une dame qui est dans l'armée américaine.
elle a son argent, elle a d'autres business à côté. Donc, c'est pas comme si elle avait besoin forcément du trading. Et elle connaissait, elle avait quelques bases, quelques notions de base sur le trading. Elle voulait mettre en profondeur. J'ai remarqué que quand elle a commencé à prendre les cours, ses objectifs ont commencé à changer. Quand elle payait sa dîme, elle disait maintenant, Seigneur, je me vois en train de créer de la crypto-monnaie qui va faire ceci au Cameroun. Je me vois en train de créer un réseau d'investisseurs. Parce que le monde de la crypto-monnaie qu'elle est partie étudier, ça a ouvert les options pour elle. C'est pour ça que votre liste de demandes à Dieu, c'est toujours court. Vous avez seulement trois choses que vous demandez. Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mes protège mes enfants. Bénis-moi, bénis ma famille, pour protéger mes enfants. Rien d'autre. Quand vous voulez faire les formations, ne partez pas vous former au hasard. Vous partez dans vos formations là que tu payes l'argent, ça te prend le temps physique, tu pars, tu fais six mois, on ne voit pas ce que tu as tiré de là. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez vos formations quand vous cherchez seulement. Je me rappelle quand j'avais lancé la formation pour transformer ses dons en argent en octobre 2021. J'avais un de mes élèves qui était à Douala. Je lui dis, connecte-toi, c'est un chef d'entreprise. La majorité de mes clients sont des chefs d'entreprise. Donc, ils n'ont pas le temps. Tu dois être au bureau à 7 heures. Souvent, tu finis à 19 heures. Je lui dis, apprends à utiliser Zoom. Quand on fait cours, malgré le fait que tu es dans la même ville que moi, connecte-toi, tu suis tes cours. Non, moi, il veut venir. Je vais venir. Il a fait ce qu'il n'a pas fait. Il a payé le cours, il n'a pas fait. Parce que moi, je suis clair et strict avec mes élèves. Tu ne veux pas apprendre à utiliser la nouvelle technologie, tu laisses. Je ne te supplie pas. Je ne te supplie pas. Va sur YouTube, assois-toi. En une journée, tu vas apprendre à utiliser Zoom. Non, je veux venir physiquement. Tu l'as d'abord quitté de Yassa pour arriver à Makepe. Tu sais combien de temps ça prend dans le trafic? Avec le temps là, tu aurais déjà fini le cours. Si la leçon c'est 45 minutes, 45 minutes là, tu quittes de Yassa pour arriver à Makepe. Après, tu quittes de Makepe pour attendre. Oh non, vous-même aussi. On a 24 chaque jour, tout le monde. Réfléchissez, soyez smart. Quand je vois les gens bêtes qui me suivent, ça m'énerve. Vous me faites honte. Vous posez des questions bêtes. Le lavage au sel que j'ai dit chaque jour là, ça doit être un truc que je ne dois même pas vous, on ne doit même pas vous dire. Ça doit être la base. Hier, je vous ai parlé du kit de fondation. Achetez vos kits, vous faites. Vous pouvez venir vous bénir, vous supplier. C'est chacun qui sent dans son corps. Il y en a parmi vous, on a fait même le genre que tu ne peux pas apprendre quelque chose. Que tu vas seulement commencer la formation, tu vas laisser. Tu vas commencer, tu vas laisser. Tu vas commencer, tu vas laisser. Et ça fait quelques mois que tu en as fait tes formations. Tu as laissé. Tu as fait le kit fondation, kit déblocage, non. Reprends encore l'école là. Va repas faire l'école là. Tu vas voir le tout cela, ça va entrer dans ta tête. Le tout cela, ça va entrer dans ta tête. Parce que c'est un membre de votre famille. Je ne sais pas si vous avez écouté mon direct d'hier. Malheureusement, j'étais en bordure de rue. J'étais à la terrasse. La dame est venue s'asseoir. Elle a commencé à me parler. J'ai dit que non, il faut que j'enregistre pour que vous compreniez aussi pour vous. C'est pour ça que le volume n'est pas très très bien. Elle a dit dans sa vidéo, elle me racontait hier que sa petite soeur, donc tu prends ta petite soeur quand elle a 17 ans, elle reste chez toi jusqu'à avoir 26, 27 ans. Donc tu as tout fait pour elle. C'est toi qui donnes l'argent pour qu'elle achète ses serviettes hygiéniques. C'est toi qui payes son école. C'est toi qui, tu fais tout. Tu cherches l'enfant, Jouka, tu dis l'heure sur l'enfant que tu cherches là. Parce que quand tu cherchais l'enfant, ta famille ne voulait pas que tu te maries avec l'homme là. Ils sont allés travailler pour que toi, tu n'aies pas l'enfant. Finalement, quand tu réussis, tu as même un peu l'enfant, le seul enfant que Dieu te donne. Tu as l'enfant là, la même période que ta petite soeur qui vit dans ta maison. Elle est tombée sur une vidéo que sa soeur était allée chez un tradit praticien, là où elle-même, la femme, l'a amené sa soeur. Montrez toujours mes vidéos à vos gens. Montrez-leur toujours mes vidéos. Ils vont faire le nom pour parler contre vous, vous allez voir. Ils vont prendre le nom, marcher comme ça, dire que la fille n'avance pas.
On ne montre pas toutes ses cartes à quelqu'un. Pourquoi? Sa petite soeur prend ça, elle amène chez une personne. Elle tombe sur une vidéo dans le téléphone de sa soeur. Où sa soeur était en train de travailler pour la séparer de son mari. Écrit son nom sur le papier. Elle a mis le nom de sa soeur ici. Elle a mis le nom du mari de sa soeur ici. Le nom de celle qui me parlait, elle a mis une flèche comme ça. Elle a mis le nom de son mari, elle a mis une flèche comme ça. Que chacun part dans sa direction. Elle dit qu'elle était sidérée quand elle a vu ça. Je lui dis que c'est le Saint-Esprit qui a même permis que tu vois ça. C'est le Saint-Esprit qui a permis que tu vois. Ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent ou que vous n'avez pas eu l'argent. C'est que vous avez eu l'argent, mais vous étiez bête, vous étiez manipulé. Et je crois que c'est à clair pour vous. Je vous dis ça chaque jour, mais vous ne voulez pas croire. Les gens de votre famille pratiquent sur vous. Ils pratiquent sur vous. Certains d'entre eux-là, ils sont même sur ma page. Et ils savent que vous me regardez. Donc faites attention. Certains d'entre vous, tu as commencé l'école même 50 fois. Dès que tu commences, mot de tête. Tu prends le cahier la nuit comme ça là. Tu amasses la tête, fais boum, boum. Ceux qui ont le kit, dans certains kits, il y a l'huile de blindage. Prenez l'huile là. Ceux qui ont souvent mal à la tête quand vous étudiez, prenez l'huile là, vous mettez dans. Vous allez oindre derrière votre tête comme ça là. Et aussi devant ici. Là-dedans, j'ai mis une huile anti-démon. C'est moi-même qui fabrique l'huile de blindage. Et l'autre partie de l'huile de blindage, vous mettez dans votre huile pour vous moindre tous les jours. Donc, comme je dis, tu investis, mais tu ne pars pas investir sur les membres de ta famille. J'espère que c'est clair, j'espère que le volume est bon. Tu dois te former. Pas vos formations que vous disiez, que vous dites toujours que oh, je dois aller, je pars, j'ai le diplôme. Non. Les bonnes formations ne sont pas les longues formations. Ce ne sont pas les longues formations. Oui, l'américain, même le sommeil, non. Tu dors jusqu'à ta pas bien. Ton corps pèse. Tu as les cours que tu dois faire. Tu mets l'ordinateur devant toi comme ça là. Le sommeil, tu pars au frigo, tu manges. Tu tournes. On t'a calculé, non. Tu es tombé, non. Que bien. Les bonnes formations ne sont pas les formations de 3 ans. 8 semaines. 12 semaines. Parce que généralement, ce sont les formations avec les extra hours. C'est-à-dire, je m'appelle celle qui faisait sa formation de trading aux États-Unis. Elle rentrait du boulot à l'heure où elle faisait la formation avec le formateur ici. Que ta nourrice a traité le parasite. Hein? Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous parlez encore avec eux. Leur réunion familiale, là, vous devez arrêter de partir. Vous devez arrêter. Arrêtez les réunions familiales. Arrêtez. Envoyez votre contribution pour la nourriture. Vous dites qu'ils font le. Vous leur demandez de faire le résumé. Ils mettent sur la page du Facebook. Ou c'est quoi là, sur le groupe WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de partir. Leurs énergies, chacun se prépare. Imaginez, si 3 personnes dans votre famille pratiquent ou 4, on fait la réunion. Que les 4, là, chacun vient avec ses remèdes. Pardon, quittons même sur l'autre là. La dame dont je vous parle là, elle finissait le boulot, elle rentre à la maison vers 19h-20h. Elle commençait la formation avec le formateur ici au Cameroun, il était 8h. Donc tu fais 8-6, ça fait 2h de chez eux. Donc elle dormait un peu, elle se réveillait à 1h30. Elle faisait la formation de 2h à 4h et elle dormait encore. Elle a fait ça pendant 9 semaines. Écoutez, hein, vous dormez en donnant des excuses. Parce que même si on travaille sur vous, écoutez, même si on a travaillé sur toi, qu'on travaille sur toi et que tu commences 50 choses, tu finis par les 50 choses, pourvu que tu aies commencé. Pas que tu as commencé une chose, tu es parti dormir. Depuis 2 ans, tu as seulement fait une chose. Non, je préfère avoir fait 50 choses en 2 ans. Tu commences si ça ne donne pas. Tu pars de l'autre côté. Tu fais encore, tu refais ta stratégie. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Tu ajustes ta stratégie, tu reviens. C'est comme ça.
un moment dans ma famille, quand ils faisaient leur congo, ça, ils se moquaient de moi, non. Kogo, elle a déjà tout fait. Elle fait la formation des enfants. Elle fait ceci. Elle fait cela. Tout ça pour elle. Et lui, oui, je suis que dedans. Je suis que dedans. Est-ce qu'on connaît la, le caillou qui va donner l'argent? Est-ce que tu connais le caillou qui va donner l'argent? Tu vas être 30 milliardaires. Hmm? Je préfère avoir 50 caillous que je lance en une fois dans l'air. Oui. Mm-hmm. En passant, on va reprendre les formations des enfants. On va reprendre les cours d'art oratoire, les cours. Il faut aussi que j'ai envie de lancer du trading pour les enfants. Genre 12, entre 12 et 18 ans. Donc, je vais voir le formateur s'il peut concevoir quelque chose un peu léger pour les enfants. Je veux que même en Europe, que vos enfants fassent ces cours-là. Imaginez si vous avez vous donné 50 euros à votre enfant, vous lui demandez d'investir ça sur le marché. Vous lui ouvrez tout ce truc-là en ligne, là, vous lui donnez 50 euros. Et il apprend vraiment comment investir. Il commence à 14 ans. Quand il aura 20 ans, il aura 6 ans d'expérience. Arrêtez de réfléchir comme tout le monde autour de vous. Arrêtez. Donc, je vous ai donné 3 choses, 3 règles ou bien 3 habitudes que vous devez avoir pour élever votre argent. Le surplus, c'est quoi? Voilà le bonus. N'achetez pas ou ne construisez pas pour vous. Donc, ne pas prendre en Europe, tu prends un crédit de 300 000 euros pour payer la maison, tu dors dedans. Ça, c'est bête. That's very silly. That's very silly. Tout ce qui sort de ta poche, je peux facilement acheter un téléphone à 1 million. Parce que je sais que chaque mois, tous mes outils et mes gadgets sont téléphone. J'ai généralement 3 téléphones avec moi. Chacun vaut au moins 200 000 francs CFA. Maintenant, pourquoi? Parce que parfois je suis en direct. Si j'ai une puce dans ce téléphone, quelqu'un va m'appeler. Il va m'appeler, ça va sonner, ça va interrompre le direct. Donc je suis obligé de mettre une puce pour le direct et les autres puces, c'est seulement pour répondre au téléphone. Donc, quand vous voulez dépenser de l'argent, pensez, si j'achète la mamie, la cuisinière, je dépose, je prépare avec, j'ai acheté tout ça à 300 000. Si ça peut me rapporter 100 000 la semaine, c'est super. Je n'hésite pas, j'investis. Tout ce qui sort de votre poche, pensez investissement. Ok, la reine Petnant, si tu es intéressé, pas de souci. Inbox, je vais t'envoyer certains détails. Parce que je vous enseigne tous les jours, mais je me rends compte que vos enfants sont laissés derrière. Et je devais finaliser le local de ma quête qui est déjà fini, on va dire. Donc, j'ai maintenant de l'espace qui dit que je peux avoir une salle où l'enseignant sera là, il fait les cours virtuels sans souci. Donc, tu ne peux pas prendre un crédit de 300 000 euros pour acheter la maison dans laquelle tu vas aller dormir. Ça n'a pas de sens. Quand je suis arrivé au Cameroun, la première maison dans laquelle j'ai vécu, c'est d'ailleurs un monsieur qui me suit, c'est un de mes amis. Son immeuble lui a pris environ 350 millions pour construire. Il a fait la moitié de l'immeuble en appartement normaux, loyer mensuel. La moitié appartement meublé. Et il me dit, s'il investit 5 millions pour meubler un appartement, en 2 mois, il a son argent. Imagine si tu as 2 millions par mois sur un appartement. Tu peux facilement investir 60 millions pour construire quelque chose, un petit bungalow. Tu le meubles. Les bonnes choses au Cameroun passent. C'est que vous croyez que oh, le Cameroun. Les bonnes choses au Cameroun, les gens achètent. Quand vous venez construire votre truc, vous voyez le truc cassé, gâté. Pourquoi est-ce que l'équipe est dedans?
Ceux qui construisent leur truc, c'est bien fait. Très rarement, l'endroit va rester non loué. Donc, il me dit, voilà mon premier immeuble que je suis en train de... Il a mis les locataires dedans. J'étais parmi les premiers locataires. Pendant qu'il finalisait l'immeuble-là, il était en train de construire un autre. Donc, il avait arrêté le chantier temporairement. Et celui-là, c'est à Lopom. C'est avant qu'on ne fasse la route de Lopom. Donc, il a la chance, quand il a fini de construire, on a ouvert les routes. Ils ont arrangé les routes. Comment ils ont arrangé les routes de Lopom? Un jour, Cosi me dit, comment s'acheter les terrains? Mais que tu me vois, je suis là comme ça, là, voilà ma maison, que je, voilà mon premier immeuble que j'ai construit. Le deuxième, je suis en train de finaliser. Il me dit, est-ce que tu sais que je suis encore en location? Il dit, hein? Il me dit, oui, je suis encore en location. ABC Beauty, dis-moi ton terrain, c'est combien? Contacte-moi à une box, après tu me donnes les modalités de ton terrain. Parce que moi-même, je veux acheter plus de terrain et je vends les terrains, mais je préfère encore acheter. Parce que je préfère investir, parce que quand tu achètes, tu déposes, ça produit toujours plus d'argent. Donc il me dit, je suis encore en location. Il dit, je suis en train de... Il y a cela 9 ou 10 ans quand il arrive au Cameroun. Il faisait des conteneurs. Donc il a la chance de tomber sur un réseau de choses qu'à l'époque il a vendu. Donc quand le conteneur arrivait comme ça sautait seulement une fois. Et il y a eu un conteneur qu'il a vendu, il a eu 12 millions de bénéfices en une ou deux semaines. Il a pris l'argent et il a acheté le terrain. Il dit qu'il a acheté peut-être 5 ou 6 terrains à cette époque-là. Il a laissé les terrains là pour 7 ans, il n'a rien fait sur ça. Parce qu'il avait commencé ses chantiers 2 ans auprès, donc avant ma venue au Cameroun, il avait commencé 2 ans plus tôt. Donc en 2017. 2019, il est en train de finaliser le chantier. Il dit, ABC Beauty, tu peux donner les informations de ton terrain ici. Hein? Et puis, si quelqu'un veut l'intéresser, vous me contactez, je peux vous donner son contact. Je ne sais pas, c'est prudent, mais ne mets pas ton contact ici. Donne les infos, celui qui est intéressé, je ne sais pas comment. Il peut même t'écrire inbox, mais ne mets pas ton numéro. Donc, parce que si tu as ABC Beauty, ça avait dit que tu es en mode anonyme. Je veux pas que les Decepticons te voient. Donc, il me dit ceci. Il avait acheté 6 ou 7 terrains. 7 ans plus tard, un terrain qu'il avait acheté à 7 millions, il vendait à 40 millions. C'est comme ça qu'il a vendu 2 terrains, je pense, 2 ou 3, avec l'argent des conteneurs. Et puis, s'il a construit sur 2 ans, ça veut dire quand même que sur les 2 ans, il a pu, supposons peut-être pour lancer le chantier d'un immeuble de 5 étages, tu as besoin de en cash 60 millions pour lancer vraiment les travaux pour que ça s'arrête pas. Tu sais que en un mois, tu as au moins fait encore 40 millions pour venir déposer dessus. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait. Et il me dit qu'un terrain qu'il avait acheté à 7 millions, 7 ans plus tard, il vendait à 40 millions. Voilà, donc il a finalisé. Il dit que même il avait la clim, même la clim, il a mis dans la clim dans son appart. Quand tu déménages de chez lui, quand tu déménages. Quand quelqu'un sort, la même semaine, là, quelqu'un d'autre rentre. Parce qu'il a tout mis. Il a mis les lustres de maison, tout. Pas aux affaires qu'on construit la maison. Tu arrives, ouais, c'est meublé. Tout était 9 francs, je suis rentré dans ces meubles en 2019. Tout. Voilà, c'est bien ça, Muguette. Aujourd'hui, tu as atteint en un rien de temps deux objectifs. Je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de tous ces gens-là. Mais ça va pourquoi vous continuez toujours. Vous n'avez pas besoin d'eux. You do not like. Il m'a donc dit quand il a vendu ces terrains-là, ça lui a permis de faire d'autres choses. Et il me dit, c'est quand il va faire. Ensuite, ces deux immeubles, il a encore un autre endroit où il est en train d'investir. C'est quand il va faire les trois choses là, qu'il va aller construire sa maison maintenant. Une autre personne va se dire, ah, tu es quand même, tu as déjà un immeuble, non? Il faut qu'on voie que tu es le boss. Non. Investis d'abord. Vous partez acheter la maison en Europe. Tu passes ton temps, tu passes 20 ans à payer la maison, mon frère. Car toi-même aussi. Payez tout ça en 2 ans. Ok, en tout cas.
On ne peut que parler, non. Celui qui fait, il fait, non. Celui qui ne fait pas, il laisse, non. C'est ça qui me plaît sur l'affaire que je fais. Ma part de boulot, c'est là. Je vous parle seulement. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train de devenir milliardaires en France, CFA, avec ce que je suis en train d'enseigner ici, là. Mettez aussi l'excellence dans ce que vous faites. Arrêtez de faire dans l'à peu près, arrêtez de faire dans. Non, non, non. Faites bien. Si tu vends un produit, tu vends la nourriture. Vends la nourriture qui est moi. Jusqu'à quelqu'un qui mange, on s'est dit, waouh. Waouh. C'est bon. Oui. Parce que si tu es excellent dans ce que tu fais, peu importe la tendance du marché. Là, par exemple, je suis en ville de Yaoundé, je suis resté dans un hôtel, ça a quelque temps. C'est à 1 heure de l'endroit où je consulte. Hier, j'ai fini assez tard, je me suis dit, je vais pas aller là-bas hier. Mais aujourd'hui, je vais aller là-bas. La nourriture là-bas était exquise. Le lit était confortable. Et je sais que vous croyez qu'au Cameroun, on a des trucs qui ne sont pas bien. Mais je vous demande là-dessus. Commencez à faire ce qui est bien. Vous allez voir comment votre argent va entrer. Quand vous ouvrez le restaurant, achetez des plats. Tu achètes le plat, quelqu'un touche le plat comme ça, là, lui-même, il dit que mince. Celui qui n'a pas mis petit argent dans le placé. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on touche là-bas, on voit que c'est la qualité. Ce qui fait que quand tu vas mettre tes prix, tu n'as pas froid aux yeux. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque, ce ne sont pas les clients qui manquent. Les gens aiment ce qui est bien, ils aiment ce qui est beau. Bon, si vous êtes encore vieux jeu, ça va changer. Ok. J'espère que vous avez pour écouter ce que j'ai dit et que vous allez mettre en pratique. Donc, pour Yaoundé, les consultations commencent à 8 heures. Ok? Donc, il y a les cours chaque semaine. Ceux qui veulent apprendre à réorganiser leur vie, à se discipliner. Fernande Toti, contacte la représentante, la reine Germaine. Elle est très gentille. Donc, je serai très prochainement, je serai en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, je pars en Côte d'Ivoire comme si j'étais à Douala ou à Yaoundé maintenant. La Côte d'Ivoire me plaît beaucoup. Donc, contacte-la. Tu vas déjà prendre un kit de déblocage plus plus. Elle en a. Tu prends un kit de déblocage plus plus, tu commences avec ça. Donc, quand je viendrai très prochainement, je vais faire les lavages. J'ai aussi d'autres services que je vais augmenter en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que je pense que la clientèle qui est en Côte d'Ivoire, c'est une clientèle qui a besoin d'attention et qui a aussi beaucoup de potentiel. Oui, je pense que vous avez beaucoup de potentiel et beaucoup d'opportunités chez vous. Voilà. Donc, ceux qui sont dans la ville de Douala pour les cours, vous pouvez venir une fois la semaine, même comme je ne recommande pas trop. Je préfère que vous le fassiez en France. Voilà. Ah, les Français, moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement d'invitations. Vous m'avez dit que vous allez me loger où c'est ou quoi là où. Vous allez m'accueillir à Nice, vous allez m'accueillir à ceci. La reine Annie, c'est super. Je vous dis que les dîmes, alors, j'ai une dame qui me paye la dîme de 21 000 par mois. Maintenant, tous les 7 jours, elle m'envoie. Je vous parle de la dame là avant-hier. Le 1er avril, elle a payé la dîme. Le 7 avril, elle a payé la dîme. Le 17 avril, elle a payé la dîme. Hier, elle a encore payé la dîme. Et c'est la dîme de 21 000. Hier, elle a envoyé 34 000 francs de dîme. J'ai dit, wow. La femme santé met en pratique ce que j'explique. Bien même. Al et Pembia, je n'ai plus de représentante au Gabon. Oui. Je veux travailler avec les femmes qui ont la niaque de réussir. OK? Qui ont la niaque, qui veulent investir. Et dans les villes où j'ai les représentantes, je considère maintenant ouvrir des choses physiques, des locaux physiques. Donc ça, c'est en cours de mijotage. Je veux surtout les gens qui sont déjà en business, s'il vous plaît. Les gens qui sont déjà. Je ne veux pas les gens que. Tu es là pour ça, tu n'as rien. Déjà, même que si tu n'es pas en business, tu n'auras même pas l'argent pour me payer. Parce que pour être en partenariat avec moi, il faut d'abord sortir l'argent. Sors d'abord l'argent. Tu dois me payer 1 million. Tu ne peux pas les 1 million là. Et tu peux encore la marchandise 5 500. Donc, tu dois payer au moins 1 million 500. Voilà. Non, Denis, si tu veux que faire via ton frère, ça ne va pas aller. Par exemple, si la personne qui touche mes produits n'a pas la niaque, laissez. Ça ne va pas marcher ça. À Abidjan, on a de beaux projets pour Abidjan. Donc, restez seulement connectés.
La prochaine fois que je reviendrai à Abidjan, je vais faire des consultations. Parce que la dernière fois, j'avais un coaching privé. Donc, je ne pouvais que rester avec une cliente. Ce qui fait que je n'ai rien fait en Côte d'Ivoire. Vous ne m'avez même pas vu. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais relancer les consultations physiques. Donc, la formation pour être coach, on va commencer à la fin du mois. Comme je vous ai dit, je veux 10 femmes que je vais former pour être coach. Beaucoup d'entre vous, vous avez 45, 60, non, 50, 55. Je crois que le maxi de mes clientes, elles ont 55 ans. Je dis toujours, quand tu as 55 ans, je pense que tu as un moment de ta vie où tu n'as plus rien à perdre. Tu ne veux plus impressionner les gens. Tu as tout vu. Deuxièmement, l'avantage que tu auras si tu deviens coach, c'est que les gens vont te regarder et vont dire que mince. Parce que quand tu es âgé, tu attires la confiance, tu inspires la confiance. On sait que tu es déjà âgé, tu ne vas pas venir pour vouloir escroquer quelqu'un. Tu vas inspirer les gens. Parce que quand une femme qui a 45 ans va voir que mince, si la mère de 50 ans, si elle a de se lancer, elle relance sa vie. Mince. Moi aussi, je peux. Ouais, un peu. Et tu as aussi un moment de ta vie où tu vas tout mettre pour que ça marche. Tu vas tout donner pour que ça marche. Et ton avantage aussi que tu as, c'est que tu as de l'expérience. Il y en a parmi vous, vous avez été secrétaire pendant tel nombre d'années. Dans ton coaching, tu pourras aider les gens à se focaliser. Tu pourras aider les gens à faire. Et vous ne savez pas que quand tu es vieille, vieille, même, c'est même pas le mot. Quand tu as passé 45 ans là, il y a une dernière rage dans ton cœur là. Ah, les femmes de la Côte d'Ivoire, si mon supplé, si vous me regardez vraiment, vous ne savez pas comment je vous apprécie. Les dames, si. Ah. Tu as osé te dire que, elle te raconte que non, moi, elle te suit depuis. Moi, elle te suit et j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Imagine une femme de 50 ans qui te sort 1,5 million pour investir sur pour être ta représentante. Et elle est là, elle répond. Hein. S'il faut aller faire ça, elle fait. S'il faut faire ça, elle fait. Elle organise, elle est ceci. Même sa fille de 22 ans dit, regarde ce monstre-là, elle est dépassée par sa mère. Parce que vous avez tellement d'échecs dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup de choses. On vous a déjà classé quelque part dans votre famille. Ah, elle là, elle ne va rien faire. Ce qui fait que vous êtes arrivé à un moment où il y a beaucoup d'énergie et de force en vous. Mes meilleures clientes sont les femmes qui ont plus de 40 ans. Je vous dis. Parce qu'elle te dit qu'elle va faire, elle va faire. Quand elle te dit que je vais faire, elle va faire. Même s'il faut qu'elle paye en 10 fois, elle va faire. Et sûrement, tu as travaillé pendant 10, 15 ans. Tu as compris que, mince, en 15 ans, je n'ai pas encore économisé. Je n'ai même pas 50 000 euros dans le compte. Tu as compris que ton argent ne va pas venir du boulot que tu as fait depuis. Donc, une infirmière là, ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Donc, tu comprends que je dois multiplier mes options. Tu veux être infirmière, tu es coach. Oui, pourquoi pas? Tu es infirmière et tu es coach en même temps. Après, tu dis bye, infirmière, je te lance totalement. Parce que si tu es coach, tu vas vendre d'autres choses. Après, tu vas vouloir ouvrir quelque chose. Après, tu vas vouloir construire quelque chose pour loger les gens. Après, tu vas. Tout ma part, c'est que ma mère est morte à 38 ans. Et cette année, fin d'année, j'aurai 35. Quand elle voit ce que j'ai accompli, elle dit que je ne fais que commencer. I'm just starting. Le jour où elle veut soulever mon verre comme ça, que Happy Birthday, 38 ans. Je veux regarder en arrière. Je vois que j'ai déjà construit tout mon patrimoine. Que j'ai déjà plus de titres fonciers qu'on ne permet à un Camerounais d'avoir. Je vous dis, moi, il me reste 3 ans. Je veux permettre aux femmes. C'est vrai que le souci avec les hommes, c'est que, comme les hommes sont habitués à ce que leurs femmes leur sont toujours en train de les encourager. Oh, chérie, tu n'étais pas lavable le sel. Oh, chérie, tu n'étais pas. Écoutez. Vous savez pas comment je suis fatiguée de ça. I'm just tired. Et la femme de 45 ans, elle n'est plus là pour te prouver que j'ai le mari. Je suis mariée. Elle sait qu'on ne mange pas ça. Elle sait qu'on ne mange. Est-ce qu'on mange le mari?
Comme tu es marié, là, quand tu finis avec le maire, tu présentes ton papier, on te donne l'immeuble. Non. Non. Non, non, non. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire. You got a lot of things to do. Je peux vous donner 50 raisons pour lesquelles j'aime travailler avec les femmes qui sont âgées. Elles sont comme les batteries. Elles font la résistance, pas la vitesse. Elle va te dire, ok, j'ai pris ton, d'accord. Tu lui dis que telle chose coûte tel prix. Elle dit d'accord. Elle part, elle tourne dans, elle fouille dans son porte-monnaie, elle envoie la main ici là, elle fouille son dernier argent. Elles ont toujours un. Elles ont toujours une dernière carte que tu ne connais pas. Elles prennent leur temps pour faire certaines choses. Et même si elles apprennent, elles n'apprennent pas vite, elles ne sont pas frustrées. Elles ne sont pas frustrées. Tu vas la voir, ça lui prend peut-être 6 heures pour apprendre ce que la jeune fille de 25 ans va apprendre en une heure. Mais elle a la persévérance, c'est-à-dire elle ne va pas abandonner. Mesdames, vous savez quoi? Félicitez-vous. Félicitez-vous. Vous êtes grand-mère, vous avez plus d'un tout dans votre sac. Vous êtes même parfois plus motivé que vos petits-fils de 17, 18 ans là. Je dis que, mais grand-mère, tu ne te fatigues pas. Mais grand-mère, la grand-mère, c'est là, elle est trop. Non, non, petit, laisse. Mon petit, laisse. Je suis en train de commencer. I'm just starting. Ouais. Oh, les grands-mères. C'est toi qui es encore en train de payer le lavage de ton fils de 30 ans. Tu es encore de payer sa formation de fils de 30 ans. Tu te simplifies. Tu es forte. Tu es une battante. Tu es une rococo. Rien ne peut te mettre à terre. Tout ce monde va vous dire que vous êtes seulement en train de commencer. Ce n'est que le début. Si tu m'écoutes, tu as 50 ans. Si tu allais mourir à 90 ans, tu as encore 40 ans devant toi. Moi, c'est beaucoup. Hein? Tu as encore 40 ans. Toutes tes erreurs là. Tout. Donc, qui est. Gars. Allons laisser. Souvent, c'est à 70 ans. Et le genre de femme là, elle ne se fatigue pas. Elle commence même le sport. Elle commence à faire le sport à 52 ans. Elle a la forme jusqu'à. Un jour, j'ai reçu une mère comme ça. Elle avait 60 ans. Maman, boule d'énergie. Oui, je veux faire le coaching. J'ai dit que maman, tu as quel âge? J'ai 60 ans. Que je suis à la j'ai pris ma retraite, ça fait 6 mois. Il dit que la forme, la vie, l'énergie que tu mets. Donc arrêtez de croire à vos trucs là quand on vous dit que wow, tu as la retraite. Tu as déjà. Ça, c'est des foutaises. Ça, c'est des foutaises. Ok. Bon, une belle journée en train de commencer. On va faire de bonnes choses. On va conquérir le monde. On va accomplir nos objectifs. On va gagner beaucoup d'argent. Parce que tout ça, la clé, c'est l'âme. L'âme. Ok. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Investissez. Créez des sources de revenus. Mais tu lances avant que ça tombe. Au lieu de lancer dans ta tête. Lance physiquement avec ce que tu as. Et tu t'améliores. Bonne journée.